Seiya. Cette fois, ça y est, c'est terminé. Seigneur Abel, pardonne-moi d'apparaître devant toi couvert de sang. Que se passerait-il si deux Athéna exclamations devaient s'entrechoquer? Cette attaque est capable de dégager une puissance égale au Big Bang, créateur de l'univers, quand elles se rencontreront. La puissance de l'explosion ne sera pas doublée, ni triplée, mais bien au-delà. Son intensité sera tout simplement exponentielle. Quand elle se déclenchera dans la maison de la Vierge, sa violence destructrice augmentera progressivement jusqu'à anéantir toutes les autres et réduira le sanctuaire en cendres. Alors ne le faites pas! Saga! Mou! Pourquoi choisir une solution aussi démente? C'est ridicule de vouloir triompher au risque de causer sa propre destruction! Seigneur, ils ont l'air bien déterminés. Ils sont prêts à pousser leur cosmos jusqu'à son paroxysme. Est-ce qu'il va falloir que nous en arrivions là pour mettre un terme à cette guerre? C'est effectivement une solution. Si nous pulvérisons entièrement le sanctuaire et tous ceux qui s'y trouvent, nous n'aurons plus à nous soucier de tuer Athéna. Ça, je demande à voir! Seiya, Shun, Hyoga, Shiryu, partez protéger Athéna. Nous vengerons également la mort de chacun. Cette fois, vous ne pouvez pas en échapper. Parfait. Alors, assez perdu de temps. Finissons-en. Nous avons suffisamment bavardé. Êtes-vous prêts? Vous allez amèrement le regretter. Vous êtes condamnés. Il faut quelque chose. Il faut protéger Athéna.
courage de se battre jusqu'au bout pour la victoire. Seigneur. Oh, Seigneur. On ne sauvera pas Athéna si on oublie ce conseil. Même si nos corps sont brisés, le cosmos, lui, est immortel. Athéna,
Exclamation.